l'ensemble de l'œuvre peinte et architecturale. Les collections que l'on peut voir à Pécs, donc au musée des Nouveaux-Rêves en 1996 et à Budapest en 1987, montrent l'évolution du travail de Vasarely des années 30 aux années 80. Et donc c'est les seuls lieux véritablement au monde actuellement où on peut voir autant d'œuvres et suivre l'évolution.